Salut tout le monde, c'est Kitobrad, on se retrouve sur Halo 3 ODST et je suis en compagnie de Pierre, salut. Salut. Alors on va aller en campagne pour débuter donc l'histoire de Halo 3 ODST, donc un excellent jeu qui est pas assez je trouve que c'est l'un des moins vus de Halo quand même. Bah, c'est l'un des. Oui, c'est un spin-off qui a été pas spécialement bien accueilli, forcément, Ouais, par tout le monde. c'est le fait le premier Halo sans le Master Chief donc. Alors attends, je vais t'inviter. Non, c'est pas vrai, parce qu'Halo Wars est sorti avant. Oui, mais Halo Wars c'était pas un FPS. Alors attends, je t'invite. Merci. Et on va commencer tout de suite. Donc on parlera pas pendant les cinématiques. Hein. On va éviter, Autant te autant laisser. les apprécier. Alors ma mission, rejouer mission, remettre au début quand même. Là. Voilà. Allez, c'est parti. Ouais. Les Marines se sont bien battues. Pas étonnant, c'est la Terre. Mieux vaut tard que jamais. Où est-ce qu'on t'a appris le respect, Roméo? Ce que j'en dis, ils en ont raté un, Dutch. Non, ils l'ont laissé pour nous. Vous savez quoi faire? On y va! Eh, hey, salut, beauté. Au nacelle! Vite! Les remplaçants? Comme nous tous, après tant d'années de guerre. Au moins, ils écoutent. Ils m'écoutent, moi. Et ça ne va pas leur plaire. Les ordres sont les ordres. Allez, Véronica. Qu'y a-t-il de plus important que ce destroyer? Mes ordres. Et Buck? Appelez-moi capitaine. Je passe mon tour. Mais vous pouvez m'indiquer où m'asseoir. C'était quoi, cette armure qu'elle portait? Je sais pas, Mickey. C'est pas son équipement que je regardais. Tu veux rire? Combat rapproché, les gars. C'est parfait. L'avant-dernière place, à côté de la mienne. Vénard. Et c'est quoi son petit nom, chef? C'est Madame Service Secret. Notre nouveau boss. J'y crois pas. Alors bouclez-la. Tous à vos postes. Et préparez-vous au largage. Mais putain, qu'est-ce que tu veux que je foute avec ça dans un vaisseau Covenant? On se réveille, ma poule. T'inquiète, le bleu, il a rien contre toi. Allez, c'est toujours difficile. Faut savoir encaisser sans broncher. Allez. Et voilà. J'adore vraiment l'ambiance de ce jeu. Ouais. Moi, de toute façon, c'est une de mes scènes préférées. Le larguer. Pareil. Ouais. Donc, en fait, je l'ai pas dit, mais. Ici, on a aucun moyen de le savoir. Attends, c'est parti, Marine! J'ai pas l'intention de nettoyer vos nacelles! Ouais, c'est ça. Ah oui, donc le jeu, il est sorti en 2009. Ça, je l'ai pas dit. Donc, développé par Bungie. Les autres Halo sauf Halo 4 et Halo 1. C'est eux, Halo Survey. Et Halo Survey aussi. Édité par Microsoft. Et ouais. Capitaine, point de contact à 15 pieds. Correction de trajectoire en cours. Allez, on voit le vaisseau. De base, l'objectif de tout le NST dans cette opération. Si on regarde bien en bas à droite, on peut remarquer là, juste au niveau de l'ascenseur à ce moment-là, on peut remarquer l'Innumerclad qui suit le vaisseau Covenant dans la faille spatio-temporelle, puisque cette scène se passe juste après la mission New Mombasa d'Halo 2, si je me trompe. Bah
Ça se passe pendant Halo 2 en fait, le Halo 3 ODST. Donc, si jamais les ODST c'est des troupes d'élite en gros, mais enfin, en fait c'est des Spartans mais non améliorés en gros, si on peut dire. Mmh. Qu'ils ont une armure, mais c'est des Marines mais en force spéciale, plus puissant, voilà. Voilà. Donc on commence l'histoire avec le bleu, donc c'est la recrue de l'escouade testée, donc il se fait projeter dans la ville, on est 6 heures après. J'ai bien vu. Oui. Alors toi t'es où? Je sais pas si t'es dans la Nacille toi aussi ou... Ouais mais normalement on est à 2 rues d'écart. Ah oui, c'est vrai. Il y a un vaisseau qui passe. Ok, là on peut sortir, mais c'est bon. Alors, ah ouais, je dois être tout là-bas. Ouais. Attends, je viens vers toi, tu viens vers moi. Oh, je viens. Alors, attends, je vais prendre un pack de soins. Plein. Il y a un petit temps de latence, bon c'est pas grave. Oh bon, ça va. On va faire entraînement de santé, non c'est bon. Alors la VNA, oui, pour voir dans le noir. Allez, des ennemis directs. Alors attends, faut que je reprenne les touches parce que c'est pas du tout pareil que le 4. Qu'on est en héroïque, vous l'avez vu, et normalement cette vidéo elle sortira pour les 100 abonnés, si je les ai. C'est ce que j'allais dire. Normalement là je suis à 98 abonnés en ce moment, donc... Bon, d'ici 2 ou 3 mois je pense que... Ouais voilà. Ouais. En 2 mois parce que j'ai un abonné par mois. Mais... Ah, par contre attends, ouh j'avais pas vu. Je n'entends pratiquement rien, j'ai pratiquement pas le son. Je suis mort, toi. Pour ma défense, il avait un sabre grenade. Ah, moi j'ai plus de munitions déjà. J'ai ramassé tes munitions, voilà. Donc, alors attends, par exemple, l'objectif là c'est d'aller où? Par là, il me semble. Je vais prendre le sabre grenade. C'est pareil de votre squad à SCO. Contactez le surintendant de la ville pour une assistance. Il faut aller chercher le... Là, on l'entend qui sonne. Ouais, moi j'ai pratiquement pas de son de mon jeu, donc... Il est là, ici. Voilà. Surintendant en ligne. Donc tout au long du jeu, en fait, le surintendant, c'est l'IA qui gère la ville. Nous suit et nous aide dans notre quête qui est de retrouver notre équipe. Ouais, c'est ça. Alors toi t'étais là-dedans, non? Non, il y a un trou dans le mur. Non, c'est pas ça. Normalement, il faut que t'appuies sur back pour faire ce que te demande. Ah oui, c'est vrai. Alors donc là on a la carte, donc les données NA vous aideront à trouver votre escouade. Donc, la flèche verte c'est moi. Toi t'es la flèche jaune. Ouais. Et donc alors ce que j'aime bien c'est que là c'est que la carte elle est de dessus mais en 3D, donc ça. Bah, donc l'objectif c'est là. Donc c'est toi qui l'as mis là. T'as passé le point. Donc, les ennemis sont en rouge. Et ah ouais, donc le faut aller à la place Tayari, c'est ça? Ouais. Donc, ah voilà, c'est bon. Alors, fermez VNA. Attends, pourquoi je peux pas le fermer? Comment on place un point? Ah oui, d'accord, en fait, j'ai parce que j'ai le tutoriel en même temps, c'est pour ça que je dis ça marche pas. Ok, d'accord. C'est bon. Puis sur X pour retirer le point dans les mains. Donc, je vais pas le faire, ça, le tuto, je m'en fiche. Ouais, t'es obligé de le faire, c'est ça qui est énervant. Ouais.
Et donc aussi, dans la ville de nuit, donc, entre chaque séquence de ville de nuit, il y a une mission qui... où l'on incarne un autre membre de l'escouade. Donc juste après le largage, en fait, c'est un petit peu une manière pour le bleu de se remémorer, on va dire, ce qui est arrivé aux autres membres de son escouade. Et donc dans ces phases de nuit, on peut découvrir 30 fichiers audio qui racontent la vie de Sally, une civile pendant l'invasion Covenant. Et tout au long donc, de la campagne, le surintendant nous aide à trouver ces fichiers audio. C'est un petit peu une quête secondaire. Quoi. Voilà, c'est une quête secondaire du jeu. C'est sympa. Donc, en fait, là, quand on est en mode nuit, donc, ce sera plus quand on sera à la fin du jeu. Et on sera en monde ouvert, on va dire, un petit peu. Donc, on peut se balader où on veut dans la ville, quoi. Une fois qu'on a débloqué les zones, plus on trouve des indices sur notre escouade, quoi, plus on déverrouille des zones du jeu. Et donc on pourra trouver des. Enfin, on pourra se balader un peu plus à chaque fois. Et à la fin du jeu, on pourra accéder n'importe où dans la ville pour trouver les fichiers audio. En plus d'indices, d'easter eggs, etc. Ben voilà. Oh, attends, j'ai plus de munitions. Non, ça va, j'en ai encore. Donc on atteint la balise NAV, fouiller le bâtiment en charge d'un indice. Alors, on est là. Nous, c'est de la triche, on sait où il est maintenant. Ouais. Je me rappelle plus trop du jeu parce que ça fait longtemps que je l'ai fait. Enfin, je me rappelle à peu près, mais. Oh, j'étais jamais allé par ici. C'est bien son. La visée qui nous sert vraiment. En fait, c'est un des seuls jeux, je trouve. Fusil à pompe. Enfin, des seuls Halo plutôt. Où la vision nocturne nous sert à quelque chose, vraiment. Parce que dans Halo Reach, elle ne servait pas à grand chose. C'était plus qu'elle était carrément inutile, presque. Ouais. Enfin, on voyait pas grand chose de plus avec ou sans. Et sur Halo 4, c'est la. Ah, j'ai bien défoncé, ouais. sur Halo 4, la vision prométhéenne, bon, c'est pas pareil. C'est plutôt pour voir à travers les murs, mais vu qu'il n'y a pas de phase nuit. Alors attends, là, par contre, je sais pas où je vais. Ouais, je suis les couloirs. Là. Il est ici. Ah oui, voilà. Donc le premier indice, casque de reconnaissance. Donc le personnage qu'on incarne, il parle pas. Il parle jamais. Et c'est quoi son petit nom, chef ? C'est Madame Service Secret. Notre nouveau boss. J'y crois pas. Alors bouclez-la. Tous à vos postes. Et préparez-vous au largage. On peut remarquer que dans les chargements, en bas à droite, il y a l'heure, la vraie heure qui défile. L'heure de la console. Voilà, à chaque fois qu'on trouve un indice, on a un flashback d'un membre de la squad. Voir ce qui s'est passé. Juste une seconde. Ça a bien secoué. La porte est coincée. Toi, ça va, Bug? Ah, au poil. Bon, quand t'auras fini de faire le mariole, j'aurai besoin d'aide. J'ai fait une gourde? Parce que je ne regrette qu'une chose à propos de nous deux. De n'avoir pas vu tout de suite que tu étais un vampire. Au lieu d'un sourire, je t'aurais balancé de l'ail. C'est ce qui m'a fait craquer chez toi, Bug. La façon dont tes lèvres de s'activer plus vite que tes neurones. Écoute, tu sais bien que mon grade n'a rien à voir. On s'était mis d'accord. C'est de l'histoire ancienne, Véronica. Les détails m'échappent un peu.
J'ai rencontré pas mal d'autres pigeons depuis. Pourquoi m'avoir choisi pour cette mission? D'une, tu es le meilleur soldat que je connaisse. De deux, tu ne te souviens vraiment pas. Tu m'avais posé une question après ces mots. Je me rappelle que tu n'avais pas répondu. Répète ça, Buck. Je te reçois mal. J'ai dit, bouge pas. J'arrive tout de suite. Zed a manqué. Secteur blindé de Covenant. C'est vraiment super classe cette vous brume là. Ça n'aidera personne si vous vous faites tuer. Donc là on joue Buck. Le leader. Tu joues Buck, moi je joue le bleu encore. Normalement tu joues Buck toi aussi. Je crois qu'on a les mêmes. Non non, regarde. Tu vois. T'as pas le couteau. Ah, bah, t'as... Vraiment c'est pas logique vu que t'es autre part mais... Ouais mais c'est... C'est pour la coop on va dire. Alors par contre on va avoir beaucoup de... Donc alors l'objectif... Trouver Der. Donc Der c'est la fille qu'on a eu au début. On peut se trahir, je crois, non? Oui, il me semble. Oui, on peut se trahir ou on peut se trahir? Je pense qu'on peut. Ouais, je sais pas. On va pas essayer. Ouais. Le lancer de grenade est vraiment pas comme dans Halo 4, c'est bizarre. Ouais. Oula, je sens mal. J'ai eu de la chance. Presque plus de... Mais je suis mort. Ah, j'ai pris une mince. Belle... Yef, mort pas. Une belle grenade. Et comme il faut. Bah, qu'est-ce qu'il a lui? Wow, j'ai du mal. Oh, je suis mort. Ah ok, attends, je sais pas trop. Avancer. Montez. Alors... Oh. J'ai mis la vie qui est dans l'air. Ah non, en fait, c'est juste le rouge sur l'écran. J'ai du mal à vider, là. Ok, alors, attends. Ah, on peut pas courir, c'est vrai. Et de les contourner. Ah bah non, il n'y a plus d'ennemis. Le recul de la SMG silencieuse est vraiment... Abusé. Abusé, ouais. Alors là, je suis sûr, ouais, là, on peut prendre des... Des élites morts. Véronica, il y a plein de cadavres d'élites. Je sais plus si... est-ce qu'on envoie des élites On voit pas des élites vivantes dans le jeu. Non, on en voit pas. Bah c'est un peu pendant la guerre civile Covenant. Pendant que les élites et les brutes se tapent dessus. Donc... Ouais, donc on combat que les brutes, donc eux. Et les élites, c'est le seul endroit où on en voit, je crois, normalement. Il me semble qu'il y a un autre endroit, mais je suis pas sûr. Je pense que... Attends, on est à combien? Je pense qu'on va faire, je dirais... Une mission. Ouais, c'est plutôt des missions, les flashbacks, on va dire. Ouais, ben... Une mission par... Par épisode, alors. Donc là, on est déjà à 20 minutes d'enregistrement. D'accord. Qui est bien joué. Et d'ailleurs, pour ce projet Minecraft, faut qu'on le fasse. Ah oui. Dès qu'on peut réunir tout le monde qui s'est enregistré, ça le plus dur en fait. Ouais. Attends, je prends le sniper. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo de Forza, c'était. Finir Minecraft Xbox.
battre l'Underdragon. Ce serait plutôt dès qu'on puisse qu'on peut réunir tout le monde quoi. Donc il y aura toi, moi et les dors. Voilà, et les dors. Et peut-être aussi Vivien s'il peut. Parce qu'il avait dit sur. Il propose. Il se connecte jamais. Voilà, c'est le problème aussi. Plus rien, ce n'est pas grave. J'essaie de les avoir. Ok, lui, j'ai pas touché quoi. J'y suis presque. Un souci ? De nombreux ennemis. Ils prennent pas quoi. Même si c'est désir. Si je ne survis pas. Moi je dis shit. Ouais. Franchement, bonne connexion. Mon scope complètement raté. Petite dédicace à tous les rageux de notre team. Benjamin en particulier. En particulier. Il y a combien de snipers par exemple ? Beaucoup. Il y a beaucoup d'ennemis aussi. Oh, oui, il y a Hunter. On peut l'avoir que dans le dos, donc tu peux l'avoir parce qu'il est sur moi là. Non, là, attends, je suis en... là j'ai un petit problème. J'ai un hunter, deux rapaces et deux. Non, moi j'ai plus rien. Oh, attends, il y a quelque chose qui me bloque. Fais-moi réapparaître, je ferai un attentat suicide. Oh, il serait été mort. Ah, attends. Oh là là, j'ai presque plus de vie. Merci. J'aime beaucoup l'ambiance ville futuriste là. Ça c'est clairement Oui on peut strider, je confirme. Ouais. Ah, c'est toi qui m'a tué là. Ouais, j'ai pas fait exprès. Ça fait plutôt mal. J'ai bien volé. Par contre c'est assez galère, j'ai tué. Je tombe. Attends, j'essaie de. Ouais. Ok, d'accord. Alors qu'on vole, on bat des mains. Laisse-moi y aller quand tu réapparais. Ah ouais. J'adore aussi quand on est accroupi et qu'on bouge. Ah, je trouve que c'est vraiment sympa. Ouais, c'est bien les émotions. Ils sont là. Ah oui. Ah, t'as un fusil à pompe. Ouais. Ah ouais, c'est mieux. Attends, j'essaie de la tirer. Ah, cross. Oh, bien joué. Eh ben, il y a un sniper là. Attends, je le prends. Je crois que c'était le mien, lui. Ouais, c'était le mien. Là. Je sais pas qui peut laver. Une petite gueule. Il est toujours là. Lui. À toi. Et là. Tu voudrais sortir. Non, je l'ai eu. Tu voudrais sortir combien de. Un épisode par semaine de Let's Play ODST ? Alors, ben. Je sais pas encore. Un ou deux. Bon, je verrai. Donc, dès que cette vidéo sera sortie. En fait, le jour où elle sortira. Ce sera toujours le même jour que je ferai la vidéo suivante quoi. Donc la semaine d'après. Et peut-être un deuxième jour, je sais pas. Voilà, ça dépend que la première vidéo sort en fait. Faut l'atteindre. Alors c'est qu'il y a du monde. Je les ai eus, je crois. Alors là, il faut aller. Nous sommes maintenant sur une map de baptême du feu. Ah ouais, donc là c'est une map de baptême du feu. Le baptême du feu, c'est. Pour ceux qui savent pas aussi. C'est un. En fait, le seul mode multijoueur en plus de la coop du jeu. C'est. Attends, je vais faire ça schématique.
bordel, c'était quoi? T'as déjà vu un truc pareil? Hé, Roméo, t'entends ce que je dis? Oh, je vois. Permission de parler, petit branleur. Non, je sais pas ce que c'était. Mais un peu plus et vous étiez cuit. Comme le capitaine. Ouais, possible. Des nouvelles de Mickey? Dutch? Négatif. Le bleu? Il faut sortir de ce merdier et se relier au réseau. Un de nos drones a dû voir où ils sont tombés. Alors on laisse tomber la mission de la dame? Est-ce qu'au moins elle vous a dit ce qu'elle voulait? Non. Jamais. Peu importe. Maintenant, le seul truc qui m'intéresse, c'est sortir mes gars de cette ville. Toi y compris. Voilà. Tu parlais du mode baptême du feu. Ouais, donc je vais finir. Donc c'est comme dans coop et en gros c'est des vagues d'ennemis. En gros, en fait, on est sur une map et il y a des vagues d'ennemis qu'il faut affronter. Le but c'est d'en finir le maximum avec des vies. On a un nombre de vies limité. Et après on peut augmenter la difficulté, etc. C'est je crois comme le mode Horde, je crois, de Gear of War. Pour ceux qui connaissent. Donc ben on va terminer cette vidéo. Ouais, terminer le premier épisode donc du Let's Play. Donc après que donc Buck et Roméo se soient retrouvés. Après ce flashback et on se retrouve peut-être on va tourner le deuxième épisode de suite si t'as le temps. Oui, peut-être, je sais pas, on va voir. Et puis je vous dis à plus, à très bientôt et tout le monde, allez, ciao. Salut.